Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo très spéciale. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça sur la chaîne. Une vidéo, je coupe mes cheveux. Me couper les cheveux, c'est un événement pour moi, mais aussi pour vous, parce que vous êtes nombreux à souvent me parler de la longueur de mes cheveux. Il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai dû me couper les cheveux peut-être 3 fois. Je sais qu'au confinement, je m'étais coupé les cheveux toute seule, puis après j'étais allée dans un salon de coiffure, voilà, il n'y a pas beaucoup de vidéos comme ça parce que je préfère garder mes cheveux longs en général, mais là, aujourd'hui, grand changement. J'ai décidé de franchir une étape supplémentaire et de couper encore plus court. Globalement, depuis toute petite, j'ai les cheveux qui arrivent au niveau des fesses, je coupe souvent les pointes, et puis la dernière fois, il y a eu un petit changement, j'ai coupé jusqu'en bas du dos, voilà. Juste ça. Mais là j'aimerais couper au niveau de la poitrine. Est-ce que je vais oser une fois que je serai chez le coiffeur? Je ne sais pas. En tout cas, je vous invite à me suivre dans cette toute nouvelle aventure. C'est parti. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Voilà, maman conduit. Tous les amis. Et oui, ça y est. Les Panamans du Clochemin, c'est une première, ouais. Où on part comme ça à l'aventure sur un chemin que je ne connais pas. Ça fait bizarre, hein? Et ça se passe plutôt pas mal. Les amis, on est au bois de Vincennes. Regarde la route. Jamais de ma vie j'ai fait ça. On est au bois de Vincennes. J'étais pas sortie de ma ville. Et là, on est au bois de Vincennes. Regardez. Regardez la route. C'est Vincennes. C'est trop beau. Tu serais pas un peu trop contente? Si, je suis trop contente. Regardez, il fait beau. C'est l'été. Regardez. Regardez cette nature devant nous. Okay. En plein cœur de Paris. Ouais, concentre-toi. Regardez cette nature. Vas-y, regarde. Montre la nature. C'est beau, c'est beau. Voilà, d'habitude on voit des cités, des bâtiments, des maisons à profusion. Et là, regarde, regarde. Donc Levana, ça va, t'es pas trop stressée? Ça va, ça va. Parce que c'est juste ici, là, regarde, là, avec ces jolis petits arbres. En vrai, ça va, je fais confiance. Tu fais confiance. Parce que je me suis déjà coupé les cheveux à la maison, c'était un carnage. Donc là, ça va aller, tu vois, c'est des professionnels, elles s'y connaissent, ça va bien se passer. Bon, on va à leur rencontre? C'est parti. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci de nous recevoir, Laetitia. Avec grand plaisir. Vous avez un salon qui est magnifique. On vous a trouvé sur les réseaux, donc on avait très envie de venir chez vous. C'est gentil. Les Panamans se fait rarement couper les cheveux et c'est toujours un événement pour notre communauté qui nous suit. Donc voilà, on est content d'être là. Génial. Merci de nous recevoir. Merci. Et puis on va pouvoir s'entraîner ici en conseil en style, comme ça on va pouvoir discuter avec l'ensemble de la coupe. D'accord? Ouais. Je fais la chose. Capuche. Est-ce que vous avez de l'iced tea? Iced tea. Merci. Bonjour. Bonjour. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors, j'aimerais couper les cheveux à ce niveau-là à peu près. Oui. Et puis faire un dégradé comme ça. Un dégradé progressif à l'avant. Exactement. Ok, très bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord passer au shampoing. On va faire un bon soin à la vapeur pour faire bien pénétrer le soin dans le cheveu. D'accord. Ce qui va en fait te redonner un peu de brillance et surtout de vitalité aux cheveux. Parfait. Okay. On passe au shampoing? Oui. C'est parti. C'est parti. Rejoignez le compte de Levana. Vous avez aussi un compte, les ciseaux parisiens? Oui, sur TikTok. On a un TikTok, les ciseaux parisiens, oui. Bon, bah très bien, bah, on l'indiquera par ici. Comme ça, non. Et bon, du bas, du coup, ouais. Tac, tu coupes. Ouais, ok. Mais il faut pas que tu te loupes. Coupe pas le carré. Donc, tu fais vraiment c'est là où tu veux. Couper ses cheveux toute seule. Ok. Donc, je coupe un peu plus bas que ce que tu veux. Oui, tu coupes un peu plus bas que ce que tu veux. Comme ça, moi, j'ai un peu de marge pour faire la vraie. Sinon, sinon tu vas les montagnes. Hein. Alors les ciseaux, tu les prends comme ça. Prends-les comme tu sens. Donc là, on va faire la coupe. On va faire le brushing. On va faire un brushing lisse pour commencer. Et après, je vais venir lui boucler les cheveux. Donc on peut faire une vidéo entre la transaction lisse et bouclée. Okay, ah, ça peut être chouette, ça. Ça peut être sympa. Ouais. Très bien. Ils sont vraiment, vraiment longs. Ils étaient plus longs encore. Encore plus longs. Ils étaient au niveau des fesses. Ah oui, bah là, ils y sont, hein. Ah
Ah, ils sont revenus, ouais. C'est des cheveux naturels, hein. Ouais. On a quand même un bon 20 cm. On pourrait les mettre de côté pour les donner à une association. Ah, ouais. On fait comme ça? Ouais. Quelqu'un va avoir tes cheveux, les bananes. Ouais, c'est naturel. Ouais, c'est ça. Alors que quand c'est coloré, je crois qu'ils prennent pas à colorer. Naturel, et puis les cheveux de Levana, c'est trop stylé. Oui, ils sont super beaux. En plus, ça, il y a eu un bon soin. Ah, ouais. Ça a été bien revitalisé. Ah, ça va te changer, Levana, hein. C'est cool. Ah oui, il y a du changement. Ah. Il va falloir un petit temps d'adaptation, je pense. Hein. Ah. D'accord. On passe quand même d'une longueur de là à là. C'est un beau changement. Ça doit être lourd quand même, à avoir un peu les cheveux. Bah, je pense que ça se voit surtout au niveau du volume et tout, mais après, oui. Moi, le poids, je suis habituée, quoi. Oui. Donc, alors, j'aimerais pouvoir mettre mes cheveux derrière les oreilles tranquillement, okay. Mais... Ça va. Premières impressions, Levana? C'est beau. Je vais attendre que ça sèche. Enfin, on va passer au sèche-cheveux et je vais voir ce que ça donne. Mais... À ce niveau-là, là, c'est court, hein. Ouais, bah, t'as moi, jamais bien. Eu ça comme ça. Comme ça, je pourrais faire des mèches de temps en temps parce que les mèches, j'adore quand ça sort un peu comme ça. À sortir des petites mèches, pendant tu veux dire. Non, parce que faire des mèches, je crois que tu voulais faire des mèches. Non, ah oui, pardon. Bon, et là, au niveau de ça. Au niveau de la taille, c'est vrai que c'est, j'ai jamais été aussi court depuis peut-être. Depuis que t'es petite. Ouais, voilà. Ça va faire bizarre en brossant parce que j'avais l'habitude d'aller jusqu'en bas comme ça. En brossant et en. En les lavant. En les lavant, c'est ça. En les séchant aussi, tu vas voir que ça va. Ça va changer plus vite, ouais. Tu les glisses et après on va prendre la vidéo et après on les glisse. Ok. Une nouvelle vie. Ouais. Nouvelle coiffure pour une nouvelle vie. Si tu nous rejoins sur les réseaux, tu découvriras les TikTok que j'ai réalisés, encore plus de photos, et tu pourras participer à un super concours qu'on te propose avec les ciseaux parisiens. Cette semaine, nous avons aussi célébré le baptême et l'anniversaire de mes cousins, et c'est votregâteau.fr qui était de la partie. Mon gâteau maintenant. Quoi ? On a aussi visité France Miniature et son nouvel espace Koh-Lanta. Une aventure vraiment top à vivre en famille. Et là, tu sais. Ouais, il faut se taper. Clémence de Koh-Lanta. Ça va super, merci. Ça va. Bon, bah on est ravis d'être là. Vous découvrez le
France Miniature aussi. Oui, j'ai découvert France Miniature, c'est la première fois que je viens et je suis venue aujourd'hui avec mes deux petits garçons et ma compagne. Trop on bien. On va passer une bonne journée en famille. Super. Et partager de bons moments de convivialité. Et qu'est-ce que vous pensez du lieu du coup? Ah bah le lieu il est génial et particulièrement forcément l'univers Koh-Lanta qui me parle bah ouais. plus que tous. Ouais, et vous êtes la marraine? Et je suis la marraine de cet univers Koh-Lanta. Et voilà, je suis honorée de l'être et je convie tous les aventuriers en herbe à venir ici se mesurer aux épreuves de Koh-Lanta. Bon bah super, merci beaucoup Clémence, à bientôt. Et nous voilà invités au buffet, alors il y a plein de choses hyper sympas. Ouais, trop mignon, mais à un moment, hop, des petits sortes d'opéra, mais là, t'en veux? Non. Trop marrant. Voilà, merci de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt.